Je vois pas beaucoup de vignes de plus de 30 ans avec un fil bien placé, moi. J'en vois pas beaucoup. C'est-à-dire que le fait d'adapter le palissage à la plante, c'est pas quelque chose qu'on a dans la tête, quoi. Souvent, le fil, il a été raisonné pour, en fait, ancrer le vide. Voilà. On voudrait bien faire les deux. Et après, je vais te trouver le encage. Ouais. Voilà. Et après, ça ne fait plus. Pas... Mais du coup, c'est un fil d'ancage, c'est pas un fil de pliage. Voilà. Il peut servir au début à fil de pliage en même temps. Mais il faut s'imaginer quand on. Côté de Zemris, hein. Il a attaché ses ailes. Là, je voudrais quelque chose. Mais pendant le bouton, le père de tenaille, du fil, il ne l'a pas serré. Il en avait déjà changé les fils de fer. Oui, oui, c'est vrai que c'est pénible. Si c'est entouré dedans et tout ça, c'est infernal. Non, mais même si c'est pas entouré, il faut couper tous les liens, le remonter, le fer, c'est du temps. Ah oui, le remonter. Et il vaut mieux en tirer un nouveau. Hein. Ah oui. Il faut mieux en tirer un nouveau, puis en plus ça vous permet de continuer à anquer votre plante. Après, le fait de. Il y a des gens qui l'enlèvent et qui anquent plus la plante, mais forcément, comme on a les baguettes qui sont entourées tous les ans autour, ça tient en fait. Hein. Donc c'est ce qu'ils font à Pomerol là, et c'est hyper rigoureux. Hein. Ce qu'ils font, c'est nickel. Hein. Ils ont la main d'œuvre et tout ça, ils ont le pognon. Donc. Ouais. Oui, mais bon. Il va falloir en parler de ça un petit peu là, parce que vous parlez de toutes les choses pour tailler, couper là, le vaisseau du temps. Va falloir de. Parce qu'il y a quand même un truc quand on taille chez quelqu'un. Celui qui est au préfet, il s'en fout de s'il avance, c'est pas son problème. Mais celui qui est à la journée, il est allé chez quelqu'un, il dit, monsieur, il faut faire autant de pieds. À tailler comme ça, moi je suis pas très bon à tailler, j'avance pas trop. Mais à tailler comme ça, si vous me suivez, déjà même en faisant comme ça, si je fais des efforts, vous allez avoir des soucis pour me suivre. Et vous allez voir que le patron, il va vous lui faire 600 pieds par jour, il va venir faire la gueule, il me dit, voilà, fais vous en avez 3 ou 4, patron, là quand même, je dis ça comme ça. Hein. Et ça va tailler. Après, de temps en temps, quitte à perdre des pieds, il vaut mieux perdre un peu de temps, plutôt que remplacer les pieds, ça coûte cher aussi, quoi. Il pèche. Faut bien d'accord sur le fait. Ouais, voilà, c'est ça. Si de 110 pieds à l'heure, à 80, sur une heure, ça se voit pas. Ouais. Mais sur une journée, il va falloir bien le calculer. Et sur 30 000 pieds ou 60 000 de taille, ça fait beaucoup. Mais on voit. Moi, préfère taille plus. Je vous le dis de suite, on multiplie par deux. Ça règle les problèmes. Je vais être ici. Parce qu'il faut être logique, quoi. Parce que je ne me teste pas ce que vous dites. Non. Mais je m'entends bien, moi. Je veux bien. Non, on me dit, ouais, t'as fait que 3 rats. Il a raison de mettre les pieds dans le plat. Et moi, je vais. Non, mais il faut quand même parler de bonne foi, parce que là, les 2 ou 3 à travailler, et tous les autres, c'est des chefs. T'inquiète pas. Alors, je dis les choses comme le sort. Non, pas travailler pas. J'ai pas dit que vous ne travaillez pas, monsieur Dufour. S'il y a bien quelqu'un à Barça qui travaille, j'en connais que deux qui font ce que vous faites. C'est vous et la maison. Voilà, c'est les deux seuls lieux que je vois la vigne comme des tabalots. Je vous le dis, je l'ai déjà dit à d'autres personnes. Mais je dis les choses comme le sont, quoi. Mais ça a vraiment du sens si que tu as. 30% à tailler, vous allez gueuler. Et on ne peut pas tout avoir. Je pense qu'ils ont compris, et je vais abonder dans ton sens. Parce c'est que pas comprendre. Je trouve que tu as raison. C'est pas comprendre qu'il faut. C'est se mettre au pied du mur. Non, mais attends. Je sais qu'ils comprennent. Ils ne sont pas idiots. Mais après, il faut le voir. Parce que c'est tout le temps rare. Il y a ça à faire. Quand tu as fait le tour de tout, vrai ou faux? Il faut 6 jours dans la semaine. Tu portes 35 heures, on dit putain, mais t'as porté 35 heures, mais il faut 72. On est deux, il y en faudrait 4. Ok, alors faut quand même qu'on en parle, parce que. Mais c'est. Sur le cache de la réalité, moi. Ouais, non, c'est... Voilà, c'est tout. Quoi. Non, mais c'est vraiment intéressant ce qu'il dit, moi je trouve, parce qu'en fait, ça va dans les deux sens. Forcément, payer au préfet des gens et demander à ce qu'ils fassent de la qualité, c'est illusoire complètement. Et là où je mets les pieds dans le plat, moi, c'est-à-dire que ce qui est violent pour moi, et pour vous surtout, c'est que je vous dis, ça ne va pas ce qui est fait, vous voyez les plaies que ça fait à l'intérieur, et en même temps, la personne qui se sent responsable, c'est celle qui a fait les plaies, mais pourtant, en fait, c'est vous qui lui avez demandé d'aller vite. C'est vous qui lui avez demandé de réduire la longueur des plants. Donc en fait, c'est vous qui êtes responsable pour de vrai, je veux dire, les décideurs. Donc en fait, non, mais c'est important d'aller jusqu'au bout de cette réflexion-là, parce qu'en fait, ça va dans les deux sens, cette question-là. Et moi, je trouve que ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il y a les deux côtés de la barre, et que pour progresser et pour faire en sorte que ça aille mieux, il ne faut pas simplement que les ouvriers sachent faire. Il faut aussi que les patrons ils aient conscience de ce que ça veut dire savoir-faire. Parce qu'en fait, souvent, il y a une espèce de fracture qui fait que ben, nous, on est dans la vigne, vous nous dites de faire ça, nous, on pense que ce n'est pas la bonne solution. Et là, on se retrouve face à un truc coincé. Moi, aujourd'hui, je peux pas faire une taille au rabais en vous disant « Oh, oui, c'est sûr, les bourgeonnages, vous pouvez vous en passer, vous n'avez pas de thunes. » Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça parce qu'en fait, je ne le pense pas. Tout ce que je vous dis là,
pour moi, c'est augmentation, je le redis, de la qualité, augmentation de la quantité, baisse de la mortalité, sortant la calculette. C'est gigantesque. Si on sort la calculette, on va tomber ici, là, à des coûts liés à la mortalité des plants d'environ 4000 euros par an et par hectare. Et je dis, je suis dans la fourchette faible, je pense que ce chiffre-là, ce serait lié à des coopérateurs qui vendraient environ 120 euros l'hectolitre. Un coopérateur qui vend 120 euros l'hectolitre, s'il a 2% de mortalité par an sur ses plantes et qu'il est censé complanter, donc il attend 15 ou 20 ans pour commencer à complanter, un complant, ça marche une fois sur deux. Un complant, ça coûte à peu près 10 euros de faire un complant pour qu'il reparte et qu'il se relance. À peu près 10 euros. Le gars qui taille au prix fait, vous avez 20% de manquant dans votre parcelle au bout de 20 ans. Le gars qui taille à prix fait, qu'est-ce qu'il fait? Vous le taillez, vous le payez à la parcelle. Vous enlevez pas le nombre de pieds que par endroit ils le font. Je taille pas chez eux. Mais dans le pulvé, quand vous mettez vos fongicides ou vos produits, vous mettez le produit en entier. Le gasoil, vous le mettez en entier. En fait, c'est gigantesque les coûts. L'impact de la perte de rendement, elle est énorme, énorme. Et donc imaginez à 120 euros l'hectolitre, on tombe très facilement sur 4000 euros. Alors imaginez quand on commence à valoriser 10 ou 12 ou 15 euros la bouteille. C'est gigantesque les coûts. Et ça, c'est tous les ans. Et donc, finalement, c'est ça qui est compliqué dans la viticulture, c'est qu'à Pomerol, bon, ils ont bon dos, ils ont de l'argent. C'est plus facile. Mais par contre, ce qui est dingue, c'est qu'ils en gagnent plus aussi. Ils en gagnent plus, pas seulement parce qu'ils vendent plus cher leur vin, ils en gagnent plus parce qu'ils font une meilleure viticulture, ils sont plus fins, ils en perdent moins. S'ils en perdent moins et qu'ils sont plus fins, eh bien forcément, par exemple, si on a des plantes qui sont capables de donner 70 hectos et qu'on n'en demande que 50 tous les ans, mais la plante, elle est en santé, c'est facile pour elle de faire mûrir le raisin. Donc tous les ans, elle fait 50. Et donc, le fait de diminuer un peu, d'avoir ébourgeonné, d'avoir passé du temps, d'avoir embauché des gens, d'avoir formé des gens correctement, on est gagnant.